can't explain it over the phone. You'll see it when you get here. Come to Serpent Creek, please. You're my only hope. Bonjour, bonjour à tous, les amis. Bonjour et bienvenue. C'est LPAG et Conseil 3, comme d'habitude. Évidemment. Qui est là, qui a retrouvé sa voix. Pour une fois. À peu près. Bon, voilà, n'est pas rigueur s'il y a quand même des fois où c'est pas exactement parfait. Ouais. Voilà. Peut-être que des puristes du son seront décelés. C'est clair, ouais. Au bout de 3 semaines. C'est la spérité de ma voix. Là, mais... Donc là, il retrouve sa voix pour le nouveau jeu en plus, donc c'est plutôt bien. Eh, c'est beau. C'est vrai. Donc ce nouveau jeu s'appelle Nine Clues, ou 9 indices en français, bien sûr. Secret de Serpent Creek, voilà. Donc à base de serpent, hein. On va voir. Pas du tout évident, du coup. C'est clair. Et du coup, ouais, le serpent c'est vert parce que pareil, voilà. Harry Potter, hein. Exactement, ouais, c'est... Je sais pas. Je sais pas si c'est ça qui a popularisé, genre cette association de couleurs, mais... Ouais, je sais pas. Donc voilà, donc le jeu qui s'appelle 9 indices, parce que pour résoudre le problème qui va nous intéresser dans ce jeu, il va falloir qu'on récupère 9 indices au cours du jeu. Et voilà. C'est trop intelligent. C'est clair. C'est trop bien fait, en fait. Donc ce jeu est de la même boîte qui a fait le précédent, c'est-à-dire celui-là, vous voyez. Celui qu'on a fait juste avant. Donc il fait partie de la même... Il n'y a pas d'erreur de traduction. Non. Les autres. Et ça c'est quelque chose à saluer, je pense. C'est clair. Ils ont embauché un vrai mec pour la traduction. Voilà, donc tous ceux-là font partie de la même collection, en fait. Peut-être qu'on va tous les faire. Bah écoute, s'ils sont bien, il n'y a pas de raison de ne pas les faire. On va voir celui-là. Après, on va avoir un partenariat avec le studio, parce qu'on aura tout. C'est ça, ouais. C'est un studio polonais, d'ailleurs. J'ai vu que... J'ai regardé. Donc voilà, donc le jeu... Cher. Je dis que oui. The Witcher, c'est polonais, je crois, non? Je sais pas, peut-être. Ah putain. Alors, je sais pas, t'es pas dire. Si vous savez, dites-nous en commentaire. Ouais. Sinon, bah, m'insultez pas. Pas trop, en tout cas. C'est ça. Un gros con, il connaît pas. Ouais, c'est ça. Oh putain, trop connu pourtant, lol. Désolé. Donc voilà. Donc, l'intérêt de ce jeu, voilà, c'est de faire. Bon, il y aura de toute façon les scènes classiques et les mini-jeux classiques, comme d'habitude. Mais certaines scènes, on va devoir récupérer des objets, et les objets vont nous aider à comprendre ce qui s'est passé dans la pièce où il y avait la scène, en reconstitution, comme reconstitution à un crime, en fait. Donc, ça, c'est propre à ce jeu. C'est trop bien. Franchement, tu m'as hypé avec juste cette petite feature. Ouais, voilà. Alors, est-ce que ça va être aussi bien que ce que je dis? Ça se trouve, c'est de la merde. Après, ça va voir, être ouais. Au jeu d'assurer, en vrai. C'est clair. On va voir. Ouais. Alors, on va juste regarder. Là, c'est pas la traduction, et puis avec cette petite feature, ça a l'air sympa. C'est clair. Donc là, il y a la difficulté, alors qu'est-ce qu'on prend? On va peut-être choisir maintenant. Ah oui, puis il y a les graphismes aussi en mode cartoon, hein, comme je vous avais dit. Donc là, alors, c'est à toi de voir, parce que c'est vrai que je... Pas de pénalité pour mes clics, donc il y a les zones... Et les socs indiqués, sans la carte et les séquences du match de texte. S'ils montrent pas où sont les scènes, ça c'est compliqué, tu vois. Voilà. Mode normal, il y a les scènes, mais pas les zones. Donc on voit où il y a une scène, c'est mais on voit. On voit où il y a une scène, mais on voit pas où il y a un objet qui est caché par terre, par exemple. Donc il faut bien passer le curseur, mais c'est un peu oui, d'accord, je viens de voir ce que tu veux dire. Ouais. C'est tout sauf les scènes. Wow. Et là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Y a rien. En ce cas, je dirais, ouais, genre, ouais, soit normal, soit facile. Genre, ouais. Ça, c'est à toi de... Carte et les séquences. Je ne sais pas à quel point c'est compliqué, en fait. Parce que si le jeu cache trop de trucs... Mais en fait, les scènes... Ouais. Non, je ne sais pas. Ah, le curseur, en fait, il se change en loop quand il y a un objet où tu peux trouver. Mais je ne pense pas qu'il n'y a pas d'objet vraiment caché en mode salaud et tout. Je pense qu'on peut faire normal. Bon, bah dans ce cas-là, on se met en mode normal. Ouais. De toute façon, j'ai cru voir que tu pouvais le changer, non? Oui, oui. Bah, c'est dans le menu, genre, là. Pendant donc, le jeu. Donc, ouais, si, en un moment, on se rend compte que genre, c'est impossible... Ouais. On peut changer. Alors, LED, c'est quoi, déjà? Ah oui, c'est juste ça. On s'en fout. Ok, bon, bah, on est prêt. Allez, hein. Alors, il y avait une petite cinématique juste avant... C'est clair. Il y avait une petite cinématique juste avant le menu, là. Donc nous on l'a pas vu, mais vous la verrez après. Ça dit pas grand chose, donc on s'en fout. Ok. J'irai la voir sur le rediff pour être ça. Un jour sur l'épisode 2. Ok, on en est prêt, alors j'espère que vous êtes prêts aussi. C'est parti. Allez, let's go. Ah bah voilà, on peut choisir. Okay. Ah bah, ça valait le coup d'aller dans les menus. C'est clair. Oh. Alors. Dealing with the supernatural is always a challenge.
But the most challenging case I ever received came from my longtime friend, Helen Hunter. She had gone with her assistant to Serpent Creek to report on the local festival. Stammering and sobbing, she asked for my help. It sounded serious enough. Before the call broke off, she said she had uncovered a horrible secret. I should find a room and begin my search first thing tomorrow morning. What is that thing? Ah, bon, ça sent pas bon ça quand tu vois ça. C'est clair, ouais. On s'en fout de ça, ouais. Donc voilà, on est encore une fois apparemment déjà, un détective. Ce que j'ai aimé par rapport à leur autre jeu, c'est qu'ils ont pas mis 3D sur les visages et que ça rend très bien. Oui, c'est vrai. Là, c'est tout en 2D. Ouais, okay. Et c'est un petit peu cartoon comme ça, vous avez vu. C'est... Alors, on aime ou on n'aime pas, mais moi, je trouve que c'est pas mal. Ouais, ça fait un peu bizarre sur les animations, mais je trouve que tant que c'est propre, ça va. Ouais, ça va. Bah, le jeu est moderne, enfin, il est moderne. il date de 2013, donc c'est quand même pas trop vieux. Ouais. Donc voilà. Donc on incarne un détective qui part pour la ville de Serpent Creek où son amie d'enfance Hélène machin là enquêtait sur un truc apparemment, un truc en lien avec le festival apparemment. Et elle s'est fait capturer, enfin elle a eu peur de quelque chose, donc on part là-bas pour enquêter tout simplement. Après moi j'arrive, je vois ça. Ça là. Je me dis qu'elle est foutue, hein, tant pis. C'est clair. C'est un moment où bon, voilà. Alors, je peux klaxonner en fait. Un homme évanoui sur les marches, une créature. Oui, effectivement. Tu te casses, hein. Tu t'appelles l'armée, je sais pas, tu mets quelque chose. Alors, j'ai juste klaxonné. Ah. Dégueulasse. That was close. I need to get out of the car. Ah ouais, ok. Ah là, Carglass, il va pas réparer notre parole. Carglass. Il vaut plus qu'un impact, hein. C'est clair. Alors, je clique là. Ah! Oh bah lui il est. Je sais pas s'il est vraiment mort. Mais il a l'air de respirer, hein, bizarrement. Je sais pas ce qu'il faisait avec la créature, mais apparemment ça allait quoi. Alors on a en plus des renseignements sur les personnages dans le journal. Ça s'appelle Hunter quoi. Ouais, en plus, franchement. Ça va, c'est. Hélène et moi, c'est une longue histoire, on se connaît depuis des lustres. Tout en jambes et curieuse, a toujours voulu être journaliste, j'espère qu'elle va bien, super. Elle fouine son nez où il faut pas, comme d'habitude. Évidemment. Alors, aider l'homme et trouver Hélène, super. Donc voilà les 9 indices qu'on va devoir récupérer tout au long du jeu. Donc là... Ça fait très Professeur Layton d'ailleurs, ça. Oui, c'est vrai. Layton, en général, t'as plusieurs indices qui vont se débloquer au fur et à mesure, et puis après, tu vas les résoudre un par un, gros, pour trouver les mystères. Quoi. C'est un peu pareil. Hein. Peut-être une inspiration du studio, je ne sais pas. Ou inversement, hein. C'est clair. Et c'est eux qui l'ont créé. Ils sont inspirés de Cthulhu pour le précédent. Là, c'est... c'est ça. T'es attaqué par un reptile, sa posture ressemble à celle d'un humain, mais ses dents laissent penser le contraire, oui. Il est gros et rapide, il a faim. Sa queue aussi, peut-être. Aussi, ouais. Sa langue aussi. Sa langue aussi, ouais. Où sont les enfants, ouais. Créature serpent, bien sûr. D'ailleurs, c'est pas très rassurant déjà. Le nom de l'hôtel, d'ailleurs, Rattlesnake. C'est la vallée du serpent, genre tout est en rapport avec un reptile, quoi. Rattlesnake, il veut dire serpent à sonnette, bien sûr. L'hôtel du serpent sonnette. Voilà. Voilà. Snake, voilà. Ça va, je pourrais traduire, mais... Rattle. C'est vrai que le Rattle, c'était... Rattle. Alors, qu'est-ce qu'il a dans la main? Moi, je dis qu'il a trop bu, hein, mais... Fluide inhalateur. Mon avis. Ah oui, c'est son inhalateur, c'est pour ça qu'il est pas bien. Ah bah, il a de l'asthme, c'est tout. C'est ça, voilà. C'est... Voilà. Tiens, respire. Alors ma sœur elle a de l'asthme, mais elle a pas un truc aussi gros. Mais bon, écoute. What happened? On va dire que chacun sa technologie. Hein. C'est clair. A giant reptile creature. Have you been drinking? Oh, I'm sorry. That was rude. Ouais. Thank you for your help. I'll explain later. Please, come in. Ok. C'est genre le mec qui t'insulte d'abord. Remercie-nous d'abord, t'as sauvé la vie un peu, genre. T'avais l'air quand même pas bien. C'est clair. Peut-être que le monstre reptilien voulait lui mettre son masque, en fait. C'était gentil. C'est clair. Le monstre avait de l'asthme aussi, il a voulu prendre son truc. Il l'a compris, il a fait « Ah bah tiens, je vais te le donner et tout. » Et la chasse. Allez, dégage. Voilà. Pourquoi j'ai pris ça, je sais pas. À l'instinct, toujours. Ah, il faut prendre le klaxon la aussi. La kleptomanie. Ouais. Quelque chose pour couper le vent, bref.
Bah, c'est du scotch. Tu... Ouais. Tu forces un peu, ça casse. This van belongs to Helen's magazine. Ah. She has to be somewhere in town. C'est quoi FS? Vu qu'elle s'appelle Helen Hunter, je vois pas vraiment. Fairpants Creek. Fairpants Creek. C'est qu'elle s'appelle Helen Hunter, donc vraiment aucune ouais, c'est aucun rapport. Ouais. Et là-bas. Tu veux le nom de son magazine, je pense qu'on le verra peut-être. Ah, c'est une serrure un peu spéciale. Ok. Alors. Oh. Ah, le mec, il a comme une peinture. Oui, la taille c'est... de la peinture au-dessus. Putain, la vache. Franchement, paysage, c'est quand même balèze. Hein. Quelqu'un a laissé son journal. Ah voilà, Serpent Creek News, 14 septembre 53. Oh, oui, la date du, du truc. Dernier jour du festival Serpent Creek, super. Festival du serpent, génial. Fais gaffe, votre journal est flou. C'est... Ouais, c'est... Voilà, c'est difficile pour les gens à lire, hein. C'est pas grave. Est-ce qu'on arrive à lire, en fait? Non, on voit rien. Moi, j'arriverai pas, mais... Moi non plus. Peut-être que NCIS avec un zoom optique. Ouais, bah c'est... Faut demander à Abby de venir. Ouais, c'est ça. Ah bah tiens, réparer le mécanisme, il manque des rouages. Putain, j'ai bien fait d'avoir l'instinct. On est détective ou on n'est pas détective? On a l'instinct ou on n'a pas l'instinct? C'est clair, merci de vous en occuper dès que possible, monsieur Block. Non, Black. Monsieur Block. Monsieur Block. Monsieur Black était un homme de main, ouais. Ok. Il est où l'autre là? Il est parti. Mais il t'a dit entrer, puis c'est pareil. Ah, notre carte. Ah. Alors, je crois. Est-ce qu'il y a de la TP dans ce jeu? On peut se TP, oui, je crois. Oh, une question. Ah. Et ils ont tout retenu de c'est clair, ouais. Dans le jeu d'avant. C'est clair. Donc là, Rattlesnake Hotel. Donc vous êtes ici. Nouvel endroit, action possible. Ah, voilà. Ok. Ah, c'est beau, ça. Ouais. Donc voilà toute la ville qu'on va explorer. Petite ville côtière, là. Ouais, c'est sympa. En plus. La sonnette est cassée. Mais pourquoi il est parti l'autre? Il est con, il nous dit de venir, il part. Ouais, il a peut-être une envie pressante. Guestbook's full. And it wouldn't interest you anyway. Sorry about before. Forgot to take my meds is all. What brings you to Serpent Creek anyway? If you're looking for someone, Helen Hunter. Bon, après c'est les années 50. Hein. C'est clair. Doesn't ring a bell. Sorry. Let me fix you up with a room. It's the least I can do, right? Here, keys to room 8. Oh, c'est pas la 13, c'est bien. Ah bah, c'est déjà gentil de nous offrir la chambre, parce que on a ouais. Déjà un pare-brise à réparer, ça sera déjà assez c'est cher clair, comme hein. Ça comme dépense. Hein. Alors, j'ai vu son badge, il s'appelle Black. Donc c'est lui, Black. Ah, c'est lui. Ouais. Donc Et bah, pour un mec qui s'appelle Black, je vous trouve bien blanc. Lol. Allez, un petit point Godwin, c'était gratuit. Ah voilà. Falsen Black, le géant de l'hôtel, ne semble pas se souvenir de l'immense créature reptilienne de son évanouissement. Pas un témoignage très probant, super. Okay. Le mec, il est gérant de l'hôtel ou du coup ou pas genre, bah, je pense. Ouais. Bien Black, c'est son fils aussi, et du coup. Je crois qu'il est gérant de l'hôtel, c'est lui qui gère l'accueil en fait, il est tout seul. Je crois qu'il est gérant de l'hôtel et. Ville, mais quand même. Et réparateur. Ouais, c'est ça, c'est lui qui gère tout, genre c'est vraiment son hôtel. Quoi? You can check into your room. Ah, non, je me suis dit, d'un seul coup, j'ai une voix de mec. Non, c'est lui qui parle. Ok. Ok. Bon, bah, on va aller dans notre chambre. Ouais. On vient d'arriver, on se repose. Tout de suite. Wow, what is that? Les tremblements de terre en plus. Putain. Putain, je... on a vraiment choisi la meilleure ville. Hein. C'est clair. Ah, il y a des toiles d'araignée sur les trucs, bref. Ouais. Et faire le ménage. Chambre occupée, ouais. Ah, il y a un papier là-dessous. Visitez notre célèbre musée des serpents. Toiles d'araignée, par terre, c'est dégueulasse et tout. Hein. Ouais. Sérieux. Visitez notre célèbre musée des serpents, décorez des serpents mortels et des trésors antiques. Donc ils sont à fond dans les serpents, apparemment. Avant, c'était les pieuvres, du coup. Maintenant, c'est les serpents. Ouais, c'est ils sont restés dans le côté un peu genre tentacule, quoi. Mais... Ouais, différente. Pourquoi pas. Ok, ils savent s'amuser. 6, 7, 8. Donc c'est celle-là. Donc ils ont donné la 8. Tant mieux, au moins on n'a pas allé trop loin dans le couloir. C'est quand même flippant. C'est clair. Alors. Ah, il m'a laissé un papier. On a un balcon en fait. C'est clair, ouais. Ne buvez pas le Black Mamba. Quoi?
c'est quoi Black Mamba? On dirait le nom d'un chanteur noir, tu sais. Black Mamba. Ouais, ça fait pas ça, mais... On va arrêter, avec, franc, les... Hein. On va arrêter avec les noirs, quand même. Ça suffit. Ouais, je suis désolé, mais en vrai, ils ont capable autant de... C'est ça, ils mettent des blagues partout. De blagues dans leur jeu, lol. C'est horrible, de pire en pire. Ok. Donc, faut pas boire le... Ok. Le cocktail, là, comment ça ira? Ouais. Oh là là, d'accord. Le king en personne. Donc, c'est bien leur chambre à thème, là, comme ça, là. Ouais. Trombone. Ouais, il faut que je le prenne. Ouais, faut que c'est... On le sent, ça, c'est compulsif. Ah. H comme Hélène. Ah, elle était dans cette chambre là aussi, putain, c'est bien. Et donc le mec n'a même pas refait la chambre avant de la filer. C'est pro de celle-ci, allez. Des notes. Ah, c'est Fabulous le logo. Fabulous. Ah, c'est le nom de son journal peut-être. Du club. Non, c'est... Eh, les chevilles. Fabulous. Fabulous. Mon journal s'appelle Fabulous. Genre, c'est... Bon, allez, wouh. Pourquoi fermer son... Bah oui, franchement, pourquoi fermer son armoire à clé? Surtout dans l'hôtel, c'est genre c'est... Non, on vous file la chambre, par contre tout est fermé, quoi. C'est clair. Bah, on peut dormir, c'est déjà pas mal, hein. Ah bah voilà. Bon, ça va, t'es pas très loin. Quelle okay, armoire. Tu vas me dire, on avait un trombone. Ouais, on aurait pu. Oh là là. Ah, scène. Ah, eh, j'allais dire, ça fait un quart d'heure, c'est... C'est clair. Mais en faut quand même nous filer une scène, genre qu'on sache à quoi s'attendre. C'est clair, ça suffit, là. Ok, on va la faire. Il suffit maintenant, donnez-moi une scène. Alors, il y a des trucs bleus, donc faut faire un truc, hein, comme d'habitude. Bon, ça va, c'est pareil qu'avant. Alors... Ah bah tiens, je pense que la poupée vaudou, elle est à gauche, et que ce qu'il faut lui faire, c'est lui mettre des clous qui sont à droite. Ah ok, ah bah voilà. Dans la pelote. Tic. Yeah. Alors, j'espère qu'elle marche pas vraiment, parce que sinon, le mec, il va souffrir. Juste pour ça. Lettre H au milieu, un tout petit peu en haut à côté des lunettes. T'as un bouton avec un H. Alors là, j'ai ça. C'est quoi ça? Ah merde. À fumer. Il faut des allumettes. Ça? Non, c'est pas ça. Sans doute. Où est la boîte? Là, comme ça, je la vois pas. Mais... Ouais, non plus. Ici hein. Bah, on trouvera ça plus tard sinon. Ouais. On le laisse pour la fin, comme d'hab. Ah, lampe torche. Carte à jouer dans la partie droite. Ouais. Au-dessus de l'appareil photo. Aimant décoratif, bloc-notes. Aimant décoratif qui s'appelle aimant décoratif. C'est juste un aimant, quoi. Ouais, comme un aimant avec un truc dessus, je pense. Ah, c'est ça. Ah oui, c'est un. Un pins, enfin. Plus... Ouais, c'est ce que je veux dire, ça ressemble plus à un pins qu'à un aimant, mais. Pourquoi pas? Un magnet. Ah, il y a une pipe. C'est quoi ça? Le retour des pipes. Il n'y a pas un jeu, oui. Pourquoi? Ah bah tiens, si. Tu mets, le truc de pipe dans la pipe qui est en dessous, là. Ah là. Vers le milieu. Ah oui, c'est du tabac. Ah, oui, d'accord. Tu vas l'allumer. Hein. Ouais. Ah, il l'allume direct, ok. Bon, si tu veux. Il se fait pas chier. On prend la fumée. Yep, tu aspires la fumée. Savon. Alors le savon, je me demande, c'est pas ce qu'il y a au milieu tout à droite. Le petit carré. Ah oui, ok. Fiole, masque, ça, le masque. Aïe. Alors, fiole, est-ce que ça serait pas ce qui est en bas, au milieu, un tout petit peu à droite? Ah ça, oui. Donc là, pour moi, c'est pas vraiment une fiole, mais ouais, c'est celui qui a quel nom ça. Une flasque. Je le connais, mais tu sais, c'est le truc pour l'alcool. Ouais, une flasque. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est plus une flasque qu'une fiole, mais bon. Là, il y a une photo de Hélène avec un mec, là. Je sais pas qui c'est. Ça se trouve, en fait, c'est nous qui l'avons fait disparaître pour récupérer son mari. Eh, hey, mais il ressemble pas au mec qui faisait de la plongée, lui. Genre, ah oui, c'est vrai. Ouais. Le mec, il part trop loin. Tous les jeux sont liés. C'est Robert. Ils reprennent le même. Ouais, c'est ça, c'est pas trop bien. Bloc-notes. Les gens qui n'auront pas de chance, tout leur arrive à eux, quoi. C'est clair. Parfum, cassette. Plus que cassette. Le problème, c'est qu'il y a du film photo, il y a... Ouais, il y a un peu tout. C'est pas ça. De cinéma, mais je suis pas sûr que ce soit ça, quoi. Cassette. Pourquoi la carte, elle bouge, elle m'énerve, là. Coucou, je suis la carte. Je suis la carte. ouais. On est dans le tour à l'exploratrice, en fait. Ah, c'était ça. Ok. J'ai pas envie de dire, mais c'est du film photo, quoi. C'est oui, pas... c'est une film, ouais. Ok,
clé du coffret. Hey. Okay. Est-ce que c'est une erreur de traduction ou pas? Ah, voilà. c'est une scène sans erreur de traduction. Bon, ça va. Alors, j'ai le H, c'est la clé du coffret. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui. Pas de serpent. Pas de serpent, c'est un truc qui s'appelle Serpent Creek, t'es quand même pas pareil. T'es mal mise. Les gens d'ici sont très bizarres. J'ai remarqué que les habitants ont l'air endormis, la plupart restent à la maison toute la journée. Il y a quelque chose de louche chez le gérant de l'hôtel. Joe pourra peut-être découvrir quelque chose au sujet de Monsieur Black. Alors, je veux pas dire, mais ça fait encore un peu Lovecraftien, tu vois, genre ils ont quitté les pieuvres, ils sont partis dans les serpents, mais une ville côtière où les gens agissent plutôt de nuit, du coup, pour que l'ambiance soit un peu plus creepy. Ouais, c'est vrai. Ah, tiens, genre, ça rappelle quelque chose. Désolé, mais mon esprit... Donc apparemment, elle enquêtait sur Monsieur Black avant de disparaître. Ok. Mais est-ce que c'est le même Monsieur Black que nous connaissons? C'est clair, hein. Oh, c'est quoi ça? Hey. Un joint. Le mec filme à terre, hein. C'est vraiment c'est clair, hein. C'est vrai que c'est un peu sale, effectivement. Here, take this card and go for a walk or something. Take a tour around town. Don't come back until I'm finished with the room. Ok. C'est quand même le pire gérant d'hôtel. Hein. Le mec, son hôtel est dégueulasse. Il nous file une chambre, elle est même pas. Bon, tant mieux pour nous, du coup, on a trouvé des indices, hein, mais elle est même pas nettoyée, même pas rangée et tout. C'est clair. Il s'en rend compte qu'après. Du coup, il va aller chercher une demi-heure après. Moi, genre, en fait, la chambre, on l'avait pas préparée, donc est-ce que vous pouvez vous barrer en fait? C'est clair. Ok. Voilà. C'est marrant parce qu'on vient de tomber sur la valise, on a vu qu'elle enquêtait sur lui, et direct, il se pointe en mode cassez-vous. Chelou. Ouais, le mec, il a un flair quand même. C'est clair. C'est quand même incroyable. En même J'espère qu'on a pris le bout de papier quand même. Parce que si lui il l'apprend, ça prendra mal. Bon, après, je pense que sans doute. Hein, mais... Ouais. Donc, il nous a donné la même chambre qu'elle en plus, c'est con. Le mec, vraiment, genre, c'est le pire gars du. Pas très malin, hein, dans cette vidéo. Donc, en fait, ça, c'est la carte d'accès. J'ai entendu la sonnette, j'ai crois que ma bouffée t'arrive, mais je suis pas sûr. La carte d'accès pour rentrer dans la ville, je crois. Attends, j'arrive. Ah, je peux aller là-bas derrière. Cool. C'est verrouillé, le gérant peut revenir à tout moment. Ok. Ah, c'est son truc en fait. Ok. Bon. On a un feu d'artifice. Qu'est-ce que je veux foutre avec un feu d'artifice, honnêtement? C'est. Ah! Hey! Who's there? Ouais, on est espionné de partout dans ce truc. Il était sur le balcon vers notre chambre en fait. Il y avait quelqu'un ici, ouais. Bon. Alors la carte doit être pour ici, je pense. Bon, je reviens, la bouffe est arrivée. On finit vite fait, on a le temps, ça va. Ouais, on peut finir, je pense. Alors là... Regarde quoi, 7 minutes. C'est clair. Il y a encore un mec qui nous observait sur le balcon, là-haut. Ah. Après, le mec qui nous a prévenu, peut-être qu'il est gentil, parce qu'il nous a prévenu un truc en mode genre, ne prenez pas ça, donc peut-être qu'il sait qu'il va y avoir un piège, tu vois. C'est vrai, possible. Ouais. Bien, c'est le mindfuck, en fait, c'est lui le méchant. Et il nous prévient d'un truc pour éviter le gentil, je sais pas. Alors là, c'est la porte du gérant, c'est verrouillé, donc on peut pas y aller. Donc on a la... quand même, le mec ferme ses quartiers quand même. Donc là c'est la carte d'accès qui nous permet d'aller dans la ville. Je crois qu'il y a un petit mini-jeu. Ah, nice. Eh, on aura quand même de la chance, on commence par un mini-jeu et une scène. C'est clair, ouais. Bon premier épisode. Alors déplacer le touriste jusqu'au jeton orange en allumant tous les voyants sur le chemin. C'est exactement comme dans le... Oh, eh, le franchement, jeu. Je veux pas dire, mais on a un petit truc de déjà vu. Hein. C'est clair, ouais. Ça se voit que c'est la même boîte. Ils font les mêmes mini-jeux. Ouais, c'est grave. Alors. Moi, j'ai trouvé. D'accord, déjà. Ouais, je pense que c'est facile. Tu fais. Alors, je vais faire, en fait, tu me dis. En gros, si c'est tu ça. Pars vers la gauche et tu. Enfin, tu sais, après, tu. Bah, t'essaies de tout faire, quoi. Tac, 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 tac. Ouais, je crois que j'ai trouvé aussi. Alors, petit touriste. Allez. On allume tout. Ah, c'est bien parce que je crois que c'est le jeu était marrant. Ouais, je crois que c'est encore plus simple que celui qu'on a fait. Ce qui serait drôle, c'est de voir si genre
ils font vraiment des nouveaux mini-jeux aussi ouais. reprennent que les anciens. Franchement, s'ils reprennent que les anciens, ce serait vraiment drôle. C'est en mode genre, ouais, c'est clair, ouais. ils l'appliquent, ils changent juste l'univers. Après, c'est bien fait, mais on en fiche. Hein. Ouais. Encore une secousse, putain, mais. Alors, vraiment, ouais, ça sent un peu mauvais quand même. C'est clair. Et tout, ouais. La merde, c'est débile. Ce qui est bien, c'est que j'ai rien à lire dans le journal. En fait, tu te renseignais sur la région, tu sais, genre, savoir s'il y avait des problèmes climatiques ou je sais pas quoi. Oui, c'est clair. Ou sismique. Voyons la grande rue. Allez. So that's what the tremors were all about. Ah bah oui, d'accord, ok. Oh. Il y a un serpent géant. Mmh. Festival doit être un événement important ici, c'est clair. Ah oui, un serpent, putain. Ah bah... Il est grand en plus, hein. Je serais toi, je m'approcherais pas trop. Ah. Festival de serpent, 3ème événement annuel. Essayez notre super black... Ah, voilà. C'est il un... est vraiment très heureux sur la photo, hein. Enfin, sur le design. C'est clair. C'est de la drogue, en fait. C'est vraiment la famille parfaite. C'est de la drogue, en fait, le black machin. Ouais, je pense. Des serpents, des reptiles. À quel moment tu vas dans un festival qui s'appelle serpent après, machin? C'est comme les... Comme les rituels où tu passes en transe et du coup après tu peux parler au serpent, je sais pas. Ouais, possible. C'est ça. Alors, il y a deux mecs à parler. J'ai normal leur lampadaire en forme de couille. En forme de couille. Désolé, hein, mais. Oh là là. Excuse-moi. Il a eu sa dose, lui. Hein. Putain. Ouais, lui, il est bien en transe, lui. Ouais. Ouais, il y a un lampadaire en forme de couille. Ah, désolé, hein, mais c'est peut-être que moi, hein. Je vais peut-être laisser mal passer, désolé. Ah, on peut pas continuer. Ah, il y a quand même un sacré cratère. Hein. Comment il tient le. Ouais, c'est vrai, il est vraiment bien construit dans le sol. C'est clair. En fait, il faut le faire tomber pour pouvoir passer. Super. C'est encourageant comme méthode. C'est clair. Ouais. En plus, ça peut. Ouais, c'est... marcher sur un lampadaire, ça doit pas être très large. Donc, faire gaffe. Parler... Dans Zelda Breath of the Wild, ils coupent des arbres pour traverser des trucs, mais c'est des arbres quoi, c'est un peu. Voilà, ouais, quoi. C'est clair. Ouais. Là, c'est un tout petit truc quoi. Vu qu'il pleut en plus avec glissant. En plus, ouais. Puis il y a des secousses okay. en plus, donc tu t'en retapes une et puis hop. Arrête ça, t'étais mort quoi, ça c'est. Parler à l'autre gars là. Allez. Good evening. My name is Alistair Bramis. Mayor of Serpent Creek. At your service. As you are aware that we just experienced a minor underground tremor. Nothing of concern, really. Serein, le gars. C'est clair. Unfortunately, I'm not able to reach Sheriff Wilson and inform him about the damages. Your friend went missing here. This is unexpected. Sheriff Wilson will be more than happy to help you. His office is down the street, across the town square. Now we need to find a way parle. To reach the town square if we are to locate your missing friend. À chaque fois qu'il y a un mot avec un S, il fait S comme ça. C'est ah, le mec reprend sa vie à 100%, c'est tu vois. Clair, genre, c'est comme le patron de Nintendo, qui Nintendo américain, qui a comme nom de famille Bowser. Tiens, genre, le mec voilà, il est dans le personnage c'est quoi, clair, c'est clair quand même. Là c'est pareil. Le mec se rentre dans son rôle. Ouais. Alors on a un nouveau perso. Nous sommes la Serpent Creek. C'est clair. Voici Alistair. Alistair Braminus. Le maire est un gentleman des plus aimables. Malgré son âge avancé, oui. Il semble en forme. Oui, bah en forme de quoi, je sais pas. En forme de serpent. Par contre, en un coup d'œil, tu sais que c'est un serpentard. Hein, c'est contre, clair. Désolé, mais... J'espère avoir l'opportunité de lui parler bientôt. Oui, c'est à 200 km. C'est clair. Ok, donc il a dit qu'il fallait ne faire ça. Ne vous inquiétez pas, c'est rien, cette fissure dans le sol. Ce sont des choses qui arrivent. C'est clair. Ok, très bien. Donc il a dit qu'il fallait. Ah, par contre, c'est moi ou genre, on a vraiment la tête posée sur le sol. Oui, c'est un peu, ouais. On est par terre. On est proche du sol là. C'est un peu, ouais. On est tombé en fait. On a dû glisser. Il faut trouver un moyen de faire tomber le lampadaire pour passer. Tu veux dire pour passer? Passer, bien sûr. On a quoi sur nous déjà? Alors. Un feu d'artifice. Feu d'artifice, ouais, c'est pas. Trombone et... On va commencer à gratouiller le lampadaire avec le trombone, là. On va aller loin. Je crois qu'on peut aller là, ah oui. Ah, c'est fermé, d'accord, on peut pas. Ok. Ah Petit. Qu'est-ce que ça mange un serpent ouais. Une souris je crois. Le dialogue c'est quand même S, c'est du sang. Ouais, c'est clair. Plus de S, putain, les mecs. Je suis sûr que c'est pas un hasard. Ouais, c'est possible.
Tiens, bouffe un feu d'artifice. Oh, oh putain, j'avais même pas vu ce que ça voulait faire. Waouh. Ah. D'ailleurs, je sais pas comment t'as fait pour allumer le feu d'artifice. Oui, c'est clair. En plus, il pleut. Donc... Lois, il pleut en plus. Ouais, incroyable. Il y a un mec qui est parti. Quel instinct. Ouais. Il y a quelqu'un qui s'est barré. Alors, j'ai pas envie de dire, hein, mais même quand tu fais quelque chose de suspect, si t'es dans une salle fermée et que ça pète dehors, tu te casses pas en laissant la porte ouverte. T'es à l'intérieur, t'es en sécurité. Tu restes chez toi, au contraire, tu refermes le. Tu retournes un coup la clé, tu vois. What on earth happened here? Mmh. Ah, bah c'est propre, hein. Ah merde, ah c'est une scène. Ok, on va pas, peut-être pas la faire, parce que c'est la fin. Ouais. C'est la scène où tu récupères les objets, puis ça t'indique. Ça fait une simulation, puis ça t'indique ce qui s'est passé. Oh, ce teaser, du coup, c'est tu clair, l'as fait la prochaine fois. On l'a fait la prochaine fois. Incroyable, mais quel maître dans la narration. Incroyable. C'est clair. Ah là là, oh, bah voilà. Un début prometteur. Franchement, ouais. Ça, ça m'a rendu curieux. Là. Donc voilà, on fera cette scène spéciale. La prochaine fois. C'est clair. Insupportable. Donc voilà, si vous aimez cette On va vous saouler avec ça. On va vous saouler avec ça, putain. Comptez sur nous. En même temps, ils font exprès, hein, c'est de leur faute. Hein. Ah ouais, bah écoutez, je suis désolé, hein. On est dans le thème, nous, hein. on fait ce qu'on peut. C'est clair. Y a rien d'autre en fait. Hein. Rien d'autre. Ok, bon, on s'arrête là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser des likes, des commentaires à partager. Et on fera cette scène spéciale dans le prochain épisode, avec Coinzel, bien sûr. Évidemment. Et à la semaine prochaine, les amis. Ciao, ciao. Salut.